again, the two hands of death, and the massive church of heaven, to keep it here. So, this is a little bit of a the little bit of toujours est-il que nous allons essayer de voir un petit peu comment se sortir de ça, être délivré en tout cas, mais pas vraiment certainement, il fallait une pauvreté, nous allons passer de ça. Alors, mon ministère particulier, je ne connais pas tout à fait le ministère, donc je ne peux pas faire un petit peu sur le service sur Internet, qui est un peu plus tard, donc j'ai étudié, j'ai été un peu pour être le plus que sur Internet, par votre web. Le même ministère particulier est un ministère beaucoup plus profond. Donc, ça va être forcément pour parler de cross-cours, d'éducation, je sais que c'est un même fait, mais je crois malgré tout que ça va être un peu plus de la part de ça. Alors, nous allons parler de durant ce quelques-unes à propos de cette position de crise qui sont délits. Peut-être aussi vous connaissez déjà Jésus-Christ, comme vous savez, avec les apôtres. C'est la Romain. La Romain. Donc, j'avais une position. Alors, cette position, je l'annonce déjà, il n'y a pas de suspense, je l'annonce déjà, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. En réalité. Et cette série d'enseignements, en fait, je l'ai sortie d'un contexte où nous parlons, vous savez, de vivre la plénitude de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Vivre la plénitude de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Alors, le texte sur lequel nous allons réfléchir ce soir se trouve dans Éphésiens chapitre 1er. Verset 3 du 14. Alors pourquoi ce message? Je l'ai lu donc c'était depuis quelque temps. Je crois avoir été interpellé par l'Esprit du Seigneur à propos de prendre au sérieux le sujet de suivant du texte. Alors c'est pourquoi donc j'aimerais aussi m'entretenir avec vous. Bien sûr, toujours dans le cadre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vivre la plénitude de la grâce de Dieu, que Dieu nous a bénis en Jésus-Christ. En fait, Jésus-Christ est venu pour apporter la grâce de Dieu à l'humanité. Mais très souvent, nous avons besoin de comprendre quoi. Alors, durant ces quelques jours, nous allons parler, par exemple, de comprendre notre position tous, mais aussi la santé de l'homme est reliée à la prospérité, à notre prospérité. Nous allons aussi donc parler de la maladie, je dirais, la pauvreté peut être une maladie de l'âme.
Et quand je parle là de pauvreté, je parle pas simplement d'argent. D'accord ? Par ici, pauvreté spirituelle, pauvreté matérielle, pauvreté physique, pauvreté dans chaque aspect que nous allons, en tout cas, espérer notre vie de journée, nous allons pouvoir peut-être aller là et comprendre le sujet que je vais vous donner. Le problème, c'est que c'est très très mieux. Verset 3 à 14. Lisez du verset. Une fois Dieu, une fois le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a béni de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Si quelqu'un me dit, Dieu nous a béni, avec les deux, Dieu nous a béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Alléluia. En lui, Dieu nous a élevés avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour, dans le portier de son adoption, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bon délai. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître les mystères de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il a réformé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui avons sa gloire, avons espéré en Christ. Alors lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez pris et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et quel est un gagnant de notre délivrance pour la rédemption de ce que Dieu peut acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Regardez votre témoignage que Dieu est prêt à faire ce que Alléluia. Je lui conseille de faire votre prière de salut. Merci, votre Père, que ta grâce et ta faveur sur nous et sur tout ce que nous faisons. Merci pour ta parole que je reçois dans mon cœur. Elle me fait du bien. Elle me guide. Elle transforme mon âme. Et guérit mon corps. Je te rends en grâce pour l'action qui descend sur les pasteurs, les leaders et sur tous les peuples. Merci pour la croissance et le développement de ce qui est rendu par l'Église, ceux qui sont sauvés, au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Quels enseignements simples, pratiques et concrets, mes frères et mes sœurs, pouvons-nous trouver à la lecture de ces textes de la parole de Dieu? Je reprendrai, je dirais tout simplement, le sujet de notre position en Christ. Notre position en Christ, c'est-à-dire une. Regardez votre bien-aimé, c'est-à-dire cette fille, très beau sourire et dites-lui, la position en Christ, dites-lui, la position en Christ, c'est béni. Ma position en Christ, je suis béni.
notre position, nous sommes bénis. Bénis dans la ville, bénis dans les champs, bénis dans notre gouvernement, bénis dans notre famille. Bénis. Alléluia. Nous sommes bénis. Le tout projeté ciel regarde le tout ciel dans sa position céleste. Le Saint-Esprit, en fait, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, expose clairement l'héritage de celui qui vit au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ. Il est béni. Celui qui vit au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ à la croix est béni. Frères et sœurs, nous sommes venus vous annoncer que votre position, contrairement à ce que le diable a voulu vous faire croire depuis des années, et des années, et des années, et des années, contrairement à ce qu'il a voulu nous faire croire, en réalité, je veux dire, vous êtes bénis. Vous avez tout ce qui est vraiment nécessaire pour vous aimer. Et c'est la volonté de Dieu. Et moi, j'ai dit que ce que le Seigneur nous dit, alors les anciens sont en train de se faire sur les fondus, que le roi est venu pour étendre, dérober, etc. Mais lui, il est venu afin que les brebis aient la vie, et non seulement qu'il lui ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie, c'est une vérité, mais qu'il ait la vie en abondance. Quand je ne suis pas venu ici pour être un prédicateur qu'on appelle de la prospérité, je vais même pas. Nous devons prendre conscience de notre position en Christ. Nous sommes enfants de roi. Tu es enfant de roi. Nous pourrions vous raconter des témoignages et des témoignages et des témoignages. Je raconte un plan de Dieu. Justement, lorsque quelqu'un prend conscience de sa position en Jésus-Christ. Quand je sais que Jésus-Christ n'a pas payé le prix à la croix juste pour le plaisir. Mais c'est vraiment afin de nous restaurer dans notre position, dans notre position. Mais quelle est la nature de ces bénédictions dont il est question ici? Comme dit précédemment, les bénédictions sont d'abord de nature spirituelle. Selon ma compréhension de ce que je vous dis, il y a, comme vous savez, un principe qui nous a dit, un principe qui ne change pas. Avant d'être vu physiquement, les choses existent spirituellement. Ce que nous sommes, en réalité, n'a pas encore été manifesté, mais nous existons déjà. Ou que les choses que nous avons déjà héritées existent déjà. Selon 1 Jean chapitre 3, verset 2, il est dit ceci. Bien-aimés, nous sommes maintenant. Que quelqu'un me dit maintenant. Maintenant. C'est pas demain. C'est pas dans 10 ans. Maintenant. Nous sommes maintenant. Qu'est-ce qu'il nous dit maintenant, quoi? Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté,
mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes d'ores et déjà enfants de Dieu. Et Dieu nous fait un grand enfant de Dieu. Quelqu'un nous voit. En tant qu'enfant de vos parents, n'avez-vous pas des droits? Comment s'appelle votre fille? Stéphane. Stéphane. Votre fille s'appelle Stéphane. Elle s'appelle Stéphane. Je suis persuadé, ma soeur, que Stéphane, quand elle a 3 maisons, et quand elle a 10 millions de vues, elle va aller au frigo, elle va ouvrir le frigo, elle va manger 100 euros. C'est l'enfant de la maison. Et personne ne va trouver rien à redire avec eux. C'est pas vrai. Et c'est exactement le droit que nous devons. En tant qu'enfant de Dieu, nous entrons dans la présence de notre Père et nous obtenons ce dont nous avons besoin. Par aujourd'hui, qui nous a conduit ici, de discuter avec nous en voiture, de parler de ces deux autres, de ces deux familles, donc on va nous parler de nous, on va nous poser des questions sur nous, de demander combien d'enfants nous avons. On va dire, nous en avons trois, mais plus ou moins. Je pense que la mère de Dieu a apprécié d'être là, pour que nous puissions avoir une fête. Et puis, notre fille, elle a même un d'accords sociaux, de prières de l'Église, vous pouvez trouver Christian et Jacqueline sur les devants pour qu'ils puissent intercéder, pour qu'ils les passent tout pour eux et qu'ils puissent avoir des enfants. Tous les jeunes sont, nous venons sur le devant pour que l'on puisse pour nous. Jusqu'au jour où les pieds de vermine sont notre cœur, il n'y a plus rien qui empêche. Parce que les médecins nous avaient raconté toutes sortes de choses. Nous disaient si on voulait avoir une chance d'avoir des enfants, il aurait fallu faire une opération chirurgicale, toutes ces choses-là. Mais on a dit nous croyons que notre Dieu est capable de nous donner des enfants. J'ai bien prié, j'ai bien compté sur le Seigneur. Tout le Seigneur nous a montré un texte. Matthieu, chapitre 18, verset 19, où il est question si Dieu s'accorde à son Père pour demander une chose quelconque au Père et nom de Jésus-Christ, il est fait. Alléluia! Tu as perdu l'occasion de t'enfant, tu as perdu l'occasion de vivre une vie. Je vais vous montrer. À propos de notre position en Christ, nous sommes bénis. Regarde ton bien-aimé à côté de lui, à côté de lui. Ta position, c'est que tu es béni. C'est béni. C'est béni.
quelles sont les bénédictions spirituelles dont nous sommes bénéfices en Jésus-Christ. Bonjour, le texte nous énumère un certain nombre, mais je crois personnellement qu'il y a des fois que la liste ne s'arrête pas simplement au nombre qui va être pour la cité. Pour ma part, en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a aucun limite, aucune limite. Pourquoi? Parce que votre Dieu est un Dieu illimité. Il est le Dieu qui a compris et qui réalise ce qui n'est pas possible à tes propres vies. Alléluia. Je vous garantis, parlons des enfants, les dernières, notre fille doit être mariée, avait eu, un fils dans la vie, dans le fond de la vie. Et c'était quelque chose de simple, de neuf. Elle me disait, bon, avec un accord avec son mari, elle a décidé de garder son fils. C'était ça. Quand elle est allée à l'hôpital, etc., elle s'est prévue, il devait y avoir un jour une anesthésie locale. Donc, une anesthésie locale, et puis on a des kits comme une autre. J'ai raison. L'anesthésie locale va ralentir. Et j'ai endormi ma fille. Ils l'ont endormi. Et on ne sait pas ce qu'ils ont fait exactement, mais notre fille, depuis lors, a eu la mienne, complètement fatiguée. C'est une histoire véridique. Et bien sûr, quand vous allez voir le médecin dans ce cas-là, le chirurgien renvoie la balle à l'anesthésiste, l'anesthésiste renvoie la balle au chirurgien, et etc. qui vous tourne en rond. Donc, avec le patient Joaquin, ma fille et son mari, faisaient des étudiants comme ça, c'était des analyses médicales. Quel est le résultat? Et finalement, notre fille poursuit des études parce qu'elle veut être professeur. Donc elle poursuit des études. Et un jour, ma fille, j'ai eu un téléphone, un cœur. Voilà. Elle me dit, papa, voilà, je vais reprendre mes études dans deux mois. Et je ne sais pas comment. Je vais pouvoir ne serait-ce que écrire et tenir un stylo. Ou taper dans l'ordinateur. Alors que j'ai bien tapé à l'ordinateur et j'ai bien écrit les notes qui me sont données. Papa, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi. Et vous, frères et sœurs, vous avez un cœur de parents. Vous avez un cœur de papa. Vous savez, quand ce quelqu'un me dessinait à l'intérieur, mais je ne sais rien. Alors, notre fille, j'ai décidé de venir dormir à la maison avec son mari. Je lui ai dit, écoute, quand tu viens à la maison avec ton mari, je vais te montrer quelques clés que tu peux permettre pour certainement d'obtenir la bénédiction que Dieu a réservée. Elle avait des mains à la maison. Et je lui ai dit à ma fille, elle s'appelle Christine aussi. Je lui ai dit, voilà, je crois qu'il est quelqu'un. Et Dieu peut guérir, il n'y a pas de souci. Mais je lui ai dit, ce qui serait peut-être mieux, c'est ça que je te montre quelques clés. Et qu'avec ces quelques clés, tu vas le tuer de ton Dieu. Et tu lui demandes la guérison. Le médecin avait dit, pour qu'il y ait un espoir de mieux, il aurait fallu attendre 2 ans. Donc, pendant 2 ans, ma fille avait gardé sa main et son bras en bas de l'air, juste pour une opération pénible. Juste un kiff. Pendant 2 ans. Dans 2 ans, donc, elle va être obligée de souffrir. Bien,
ma fille et moi, nous nous sommes assis. Et je commence à lui partager quelques clés. Sans toi, je suis comme ça, dans la parole de Dieu. C'est ma foi. Peut-être que vous lui partagez tout simplement la foi de la femme de son peuple de femme. Qu'est-ce que tu prends avec toi? Je connais plus le Seigneur. Et elle dit simplement si j'ai trouvé ce que j'ai fait, si j'ai fait simplement toucher le bord de ses vêtements, je suis guéri. Et je dis ok, mais la tête très claire. Crois simplement. Rentrez de ton Dieu. Demande-lui. Alors, et puis je lui dis bon, et si ça ne fonctionne pas ce soir, demain, je prendrai le temps de prier avec toi. Elle m'a dit d'accord. Mais vous savez très bien qu'il y a un moment où je vais faire ce qui sera une fois. Et le papa, généralement, il ne faut pas que vous accordez comme ça et que vous allez faire une fois. Par exemple, je ne sais pas si je vais vous faire une fois. Mon épouse, a pris le temps de prier et de taper le sang. Vous savez, quand ma femme prie, elle prie. Elle a prié le sang. Et ensuite, dans le lendemain, ma fille descend. Et en pleurs, dans les larmes, dans le fond du monde. Et vous, en tant que parent, quand vous voyez votre enfant pleurer, vous faites quoi? Vous êtes déchiré. Et vous vous posez la question, que lui dire? Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour que je sois encouragé, fortifié? Et je me réponds, je viens avec vous, qu'est-ce que je vais vous dire avec? Alors, je me posais la question que je disais, mais Seigneur, peux-tu dire encore à cet enfant? Et le Seigneur m'a dit, il me dit, papa, son bras a été complètement guéri, totalement guéri dans la fin du jour. Quand le médecin me tourne la tête, la position en Christ, ça tient pas. Tu es béni, Jésus. Tu as tout entendu dire, Jésus. Qu'est-ce qui te fait, Jésus? De vraiment vivre les grâces et les bénédictions que ton père a déjà réservées. Ta position en Christ, c'est ce qui est bon. Et derrière le pasteur, c'est un rêve. Non, c'est pas un rêve. Nous pouvons nous raconter des témoignages et des témoignages de ce que Dieu a fait dans l'Église lorsque nous leur avons enseigné ces principes. On a vu l'Église transformée. On a vu le peuple prendre sa place en tant qu'enfant de Dieu. Et prospérer. Ceux qui n'avaient pas de travail ont trouvé du travail. Ceux qui étaient malades ont été guéris. Ceux qui avaient leur foyer complètement ravagé par le diable ont été restaurés par le Seigneur. Parce que nous sommes bénis en Jésus. Le pape, comme je vous le disais, les séminaires ont certains membres, mais je crois que personnellement, que la liste ne s'arrête pas là. La Bible nous parle que nous sommes d'abord dans ce texte bénis. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints. Et tous ces prochains. Dieu t'a élu
a besoin pour qu'ils le connaissent. On a besoin pour tous les détectés et les pour les appels. Je ne sais pas si vous comprenez la portée des choses. Le fait d'avoir été génie. Ça vous donne une autorité. Vous savez, j'ai eu partagé avec votre pasteur, je lui disais, parce qu'il me posait la question, c'était tout le temps que j'étais pasteur, etc., j'ai eu beaucoup de responsabilités, je lui ai expliqué des choses. Et je lui ai dit que voilà, la semaine dernière, par exemple, je ne suis pas vraiment plus disponible, parce que nous avons organisé, vous savez, chez nous, on passe les pasteurs par les licences, donc j'ai organisé ça en tant que responsable. Parce que j'ai commencé à organiser ça. Donc, il y avait 11 candidats au ministère de la Sénégalité. Donc, il a fallu organiser ça pendant 3 jours. Et ensuite, il a fallu aussi faire organiser la pastorale. On a réuni tous les pasteurs de toute la France. Et j'ai réuni la semaine dernière. Donc, on a des instruments. Et ensuite, les pasteurs ont eu l'occasion de faire une évaluation de l'activité ou de l'action de la série, c'est-à-dire donc, parlant d'élections, j'ai souvent fait face à des élections. J'ai été membre du conseil d'administration en France, j'ai été le président de ce conseil pendant plusieurs années, et les pasteurs ont en fait, ce soir, de renouveler mon mandat pendant le temps. Donc, mais, en tant que joyeux, vous avez une autorité. On ne vous parle d'une autorité. Vous pouvez vous imaginer ce qu'on fait. Vous êtes payé de la part de Dieu. Et l'élection ne dépend pas de la volonté de l'homme. Ne dépend pas de la volonté de la sœur, ne dépend exclusivement de la volonté de Dieu. Qui ne dit pas. Qui n'a pas dit amen. Qui n'a pas été choisi par l'homme, qui a été choisi par Dieu. Qui a été choisi par Dieu. Et ça, c'est important. Tu n'as pas de compte à rendre à Satan. Tu as juste un compte à rendre à ton père et à ton Dieu. Satan, il a un petit peu. Il n'est pas au-dessus de ta tête. Je peux vous parler comme ça. Nous sommes unis. C'est ce qui a rendu clair. Il y a aussi le sang justement de la prédestination. La Bible dit qu'il nous a prédestinés dans son amour. Dans son amour. À être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés. Il nous a favorisés. Tu es favorisé. Frères et sœurs, vous savez, ça veut dire que lorsque nous parlons avec quelqu'un, ça veut dire que tu as des endroits, quelqu'un de favorisé. Je suis favorisé. Tu es favorisé par Dieu. C'est la faveur de Dieu. Alléluia. La faveur de Dieu fait que tu accèdes à des responsabilités dont normalement tu ne devrais pas accéder. Je vous garantis. Et je pourrais vous raconter les bénédictions de la part de Dieu pour vous. Honnêtement, Dieu, lorsqu'il vous favorise, il est l'œuvre de Dieu. Vous savez, ça a été pensé à David. David n'a pas fait d'études.
David n'a pas été parmi les grands. Il était derrière les brebis. Et Dieu l'a récupéré de derrière les brebis. C'était même pas un soldat. Mais Dieu l'a récupéré de derrière les brebis pour le tabler. Vous savez qu'elle avait été à qualité de l'écriture, simplement. La Bible parle de David comme étant un homme qui avait le cœur sur la vie. Tout ce que Dieu recherche chez toi, c'est ton cœur. Où est ton cœur? C'est ça qui t'a fait. Il faut que tu s'équipes de ton élévation. C'est Dieu qui s'occupe de tes favoris, professionnellement, familialement, sentimentalement, conjugalement, ministériellement, il s'occupe de tes favoris. Dieu ne cherche pas des gens compétents. Il cherche un cœur. Merci de ce Dieu d'amour. Vous êtes tous les deux amis. Je veux que je sois avec eux et comme avec eux. Je pense que vous n'avez pas décidé un texte très fort celui de Bissot. Parce que Bissot, c'est juste une responsabilité. On va voir un peu ce qu'il y a de fait. Amen. Il y a donc le sens d'une prédestination. Nous l'avons reçu, notre toujours notre projection en Christ, nous sommes tenus, conscients de cette sorte de bénédiction. La Bible nous parle que nous ne sommes plus esclaves du péché, du diable. Parce que la Bible croit en lui. Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Nous avons été ressuscités. Nous ne sommes plus esclaves. Vous savez quoi? J'ai dit pour le Christ, que certains sont contents ou pas contents. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils sont contents. Qu'est-ce qu'ils ne sont pas contents du tout. Vous n'avez aucun compte à rendre à ça. Est-ce que vous ne faites plus partie de son royaume en tant qu'enfant de Dieu? Tu n'as plus rien à voir avec Satan. Au contraire, c'est lui qui a autorité sur lui. Tu n'as pas bien la même. C'est toi qui as autorité sur lui. C'est vrai, je me suis aperçu avec les années de l'Université. Lorsqu'on a dans la Satan ou le démon de son année, il doit partir au nom de Jésus. C'est obligé. Pour ma part, le plus facile à faire, c'est de chasser le démon. C'est le plus facile. Par contre, ça a encore que. L'être humain se déshabitue de ses vieilles habitudes, ça c'est tout. Oui, maintenant, je dis que ça fait de l'eau, c'est un. C'est le lit. Au nom de Jésus, Satan se prend de ton amour, il le rejette son amour. Non pas parce que tu as autorité de ta saison, mais c'est au nom de Jésus-Christ, il est obligé de pleurer les hommes. En tant que nos vieilles habitudes. C'est compliqué. Vous savez, quelqu'un a dit, j'ai noyé le vieil homme. Dans les eaux du baptême, il est une fille nager le bébé. Vous
les vieilles hommes. Leurs vieilles habitudes. Mais j'aimerais nous dire ce soir, mes frères et mes soeurs, que nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous avons une condition de prince et de prophète. Pénétrer, pénétrer avec Jésus-Christ. Bénis. C'est ça notre condition. Et pas autrement que vous faire. Et vous savez, la Bible passe de Jésus-Christ à notre Seigneur qui dit que nous ne sommes plus du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous n'avons aucun contrat dans ce temps. Et s'il y a quelqu'un qui a autorité sur nous, c'est toi et c'est moi au même de Jésus-Christ. À cause de notre position. Encore de Dieu. Alors, je ne suis pas venu là pour simplement raconter, vous savez, pour essayer de prospecter et faire dormir les jeunes femmes. D'ailleurs, il n'y a pas de jeunes femmes ici. Je ne suis pas venu ici pour vous endormir. Je suis venu là pour vous réveiller. Pourquoi nous prenons notre position en tant qu'enfant de Dieu? Nous sommes plus esclaves du péché. Nous sommes plus esclaves du péché. Nous sommes plus esclaves de la chair. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libres. Rejetés, purifiés, justifiés, purifiés. Amen. Je ne sais pas comment c'est vraiment le tout parfait. Et comment est-ce que vous avez encore 5 minutes? Combien nous avons 5 minutes? Combien nous avons 5 minutes? Les enfants de Dieu nous ont combien nous avons encore 5 minutes? 5, 9, 10, 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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
Nous connaissons sa volonté. Il dit, dans la richesse de sa grâce, que Dieu répandra abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, et nous a fait connaître, alléluia, le mystère de sa volonté. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Nous sommes réunis. Réunis. C'est ça les intérêts du peuple de Dieu. Nous sommes réunis. Nous avons une dignité. Alléluia. La Bible continue, l'apôtre Paul continue en disant,
nous sommes héritiers. Alors nous sommes en train de devenir héritiers. Et on est très destinés, suivant le plan de celui qui opère quelque chose, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous également avons espéré en notre Jésus. Qui est Jésus? Pouvez-vous imaginer ce Jésus? Qu'est-ce que ça implique? Être l'enfant de quelqu'un, même par adoption. C'est important, frères et sœurs, de prendre conscience de notre position. En réalité, je crois que nous avons beaucoup de difficultés dans la vie parce que nous essayons toujours de prouver aux gens ce que nous sommes, ce que nous voyons. Nous n'avons rien à prouver à personne. Tu n'as rien à prouver à personne. Sois toi-même. Si tu es enfant de Dieu, reste enfant de Dieu. Dis simplement. Vous savez, une orange n'a pas besoin de raconter partout qu'il est une orange. Tout le monde va savoir que c'est une orange. Une pomme n'a pas besoin de raconter. Je suis une pomme, non. On va savoir si c'est une pomme. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit ce que tu veux. Pour toi-même. Et arrête de te laisser troubler par le diable. Tu n'as pas besoin de prouver à qui que ce soit. Vous savez, je suis toujours surpris en réalité, comme des gens autour de mes programmes, ils viennent me voir et me disent « Pourquoi je veux te trouver ?» Mais vous n'avez rien dit. Quitte à te trouver, on va voir le trouver. Pourquoi je... Si tu as des dons, on va les voir. Si tu as des qualités, on va les voir. Et tu n'as pas besoin de raconter ce que tu as. On va les voir, on va les voir. On va les voir. Parce que c'est le don, c'est le charisme qui ouvre la porte. On va les voir avec une porte. Je vais faire. Et je peux vous garantir, si simplement vous connaissez, si vous montrez connaissement de Dieu, si tu connais, si tu laisses simplement l'esprit de Dieu agir en toi, en tant qu'enfant de Dieu, ma vie sera une vérité. Toute ta famille sera une vérité. Si moi je serai, je le dirai. Tout simplement le peuple de Dieu prend des conscience de qui il est. Notre identité. Notre position. Pour le Dieu. La Bible nous parle à la terre de notre identité, frères et sœurs. La Bible nous parle que nous sommes marqués. En lui, vous étiez, après avoir entendu parler de la vérité, la parole de la vérité, le grandir de notre famille. En lui, vous avez cru et vous avez été scellé, vous avez fait. Et quelqu'un lui dit, j'ai été scellé. Tout Saint-Esprit. J'ai été scellé. Tout Saint-Esprit. Pourquoi pas? Pour la vie éternelle. Tu as été scellé. Dieu a marqué sur ton front par la puissance de l'Esprit de Dieu que tu lui as apporté. Et personne ne pourra enlever ça. Je dis que personne ne pourra enlever la marque de Dieu sur ton front. Tu lui appartiens et tu lui appartiens pour toujours. Le diable ne peut pas empêcher ça. Les sorciers ne peuvent pas empêcher ça. Personne ne peut empêcher ça. Enlève ce qui te critique et ce qui te méprise. Ils ne peuvent pas le faire.
croyons. Chers frères et sœurs, quel est mon objectif en vous racontant ce fait que je qualifie de certitude concernant la parole de Dieu? Quel est dans ce monde? Il n'y a pas beaucoup de certitude. Il n'y a pas beaucoup de certitude. On ne peut pas faire confiance à beaucoup de choses. Mais la parole de Dieu peut nous faire confiance. La parole de Dieu enseigne des certitudes qui ne vont pas nous tromper. Dieu dit quelqu'un qui ne sera pas tranquille et qui ne sera pas déçu, qui n'aura pas hâte de fuir. Avec toi. Alors, certitude concerne la parole de Dieu. Donc, en fait, je suis convaincu qu'avant d'entrer en possession de notre héritage, nous devons d'abord en prendre connaissance et en être fixé. C'est tout simplement l'objectif que je me suis fixé ce soir en vous parlant de cette façon. Prenez conscience de votre héritage. Un héritier qui ne prend pas conscience qu'il est héritier restera pauvre. Je vous parle, on va reparler d'être délivré du syndrome de pauvreté. Et on va sentir ces petits coups de pauvreté sur votre vie. Ça vous intéresse? Soyez présents. On a entendu inviter d'autres personnes. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin de Dieu, c'est le moment. Si vous connaissez des personnes dans le besoin, c'est le moment. C'est le moment. C'est Jésus-Christ. C'est délivrera. Jésus-Christ délivrera. Jésus-Christ opérera le miracle de cette personne. On a vu des miracles au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Au-delà. Mais je sais que ici aussi, je me parle de présence. De présence, c'est votre pasteur formidable, le leader formidable, dont il prie pour vous. Mais je sais aussi que la Bible dit la troisième des instrumentants. L'instrumentant vient à la même. C'est là que vous avez des experts de la vérité. Je ne sais pas pourquoi je suis venu avec les autres. Alors, ça veut dire que nos yeux sont d'abord ouverts à la réalité de ce que nous faisons. Premièrement, puis si nous devions nous battre pour entrer en confession, nous pouvons le faire avec foi et conviction. Vous savez, parce qu'on sait exactement quoi faire. D'abord, prends conscience sociale que tu es béni. La condition en Jésus-Christ, c'est que tu es béni. Et maintenant, on va vous montrer tout au long de cette semaine comment prendre la position de ton héritage en Jésus-Christ. Tu peux te lever et prendre autorité. Prendre ta position en Jésus-Christ. Amen. Alors, en Jésus-Christ, Dieu, notre Père, nous a béni. Voilà ce que je suis venu pour la condition. En Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs. Je disais, tu n'as pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que tu as déjà dans ta maison. Beaucoup d'entre nous, nous cherchons dans le monde ce que nous avons déjà dans les cieux. Savez, je terminerai une fois, mais racontant cette histoire. Et votre professeur a très vite, ça, de toute façon, nous parlons sur la monnaie et la politique. Je me rappelle dans quelques années de cela. À plus de 30 ans. Dans l'église de mes études. Donc, mon épouse et moi, nous ne nous fréquentions pas du tout. Et si on se parlait, on se parlait, je serais mes amis. C'est tout. Alors, un jour, une soeur de l'église, vous avez la joie de lui dire, écoute, allons dans telle église, parce qu'ici, il n'y a pas d'homme.
Je crois que l'Église est trop petite. Et il n'y a pas tant ici. C'est bizarre, j'étais là. Mais personne ne m'a aidé. Alors, juste pour le pasteur de la vie, j'ai toute ma vie en toi. Si moi je ne quitterai pas cet endroit, parce que Dieu m'a interdit ici, et si même Dieu devait envoyer un homme, qui est cet homme pour moi ici qu'il m'envoie ici, je ne l'attendrai pas. C'est moi qui ai besoin de ce Je ne connais pas la culture à la Martinique. Je vous raconte donc là juste des histoires qui se passent à notre école, que j'avais resté à notre école, parce que j'ai tout ici, depuis deux ans. Donc, je ne voulais pas vous croiser, je ne voulais pas vous trouver, donc, tu vois, je vous ai dit l'histoire qui s'est passée de là. Les équipes de la ville de lundi de l'histoire de la ville de vous pouvez vivre votre vie et que vous ne vivez pas. Qu'est-ce que je veux dire? Si c'est cette ville à tout ça, de ne pas se prendre ce de votre vie. Est-ce que dans votre vie, c'est que vous avez fait de vous? Mais Thank you.